I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale sur une grosse légende de la lutte professionnelle, un WWE Hall of Famer, j'ai nommé le Sergent Slaughter. Mon nom est Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaden, et je suis en compagnie de mon co-animateur, Jonathan Drapeau. Comment vas-tu, Jo? Hey, ça va bien, mon Ben, en forme! Numéro 1. Yes! Écoutez, chers auditeurs, ça va être une super belle émission aujourd'hui avec notre ami Sergeant Slaughter. Donc, et en plus, le 4 juillet s'en vient, là, la fête des États-Unis, l'Independence Day. Fait quoi de mieux que faire une émission sur un grand patriote américain, mesdames et messieurs? Yes! Donc, commençons vivement dans le sujet. Donc, mesdames et messieurs, Robert Rudolph Remus, dans le fond, de son vrai nom, il est né le 27 août 1948. Donc, ça lui fait l'âge de... Ben là, il va avoir 74 ans. 74 ans. Exactement. Donc, à Détroit, dans le Michigan. Puis son personnage de lutteur était celui d'un ancien Marine des États-Unis qui a fait la guerre du Vietnam. Est-ce que tu sais que Sergeant Slaughter est le seul lutteur à avoir eu sa figurine dans la collection G.I. Joe? Oui, je le sais, parce que on va en parler justement plus tard dans l'émission. Puis ça risque d'être vraiment très intéressant. On va vous apprendre des belles choses, les amis. Alors, vas-y, mon ami, tu peux commencer? Nous allons commencer à ses débuts, dans le fond, à la AWA puis à la NWA, un petit peu. Il a fait un petit peu les deux dans... Oui, il a fait un peu de Ouais, dans le fond, on peut appeler ça de l'Indie, là, mais c'était pas de l'Indie. En tout cas, à l'époque, c'était... Ouais, c'était ça. C'était des territoires, là. Exactement. La fameuse époque des territoires. Ben, c'est ça, il était entraîné par le grand Vern Gagné de la AWA. Qu'on parle souvent dans différents de nos podcasts. C'est rendu qu'on parle autant de lui que Marty Jannetty. Exactement. Il a fait ses débuts sur le ring en 1972 à la AWA. Cependant, ouais, durant la période de 1972 et 1980, il se fait connaître notamment sous les noms de Bob Remus, c'est dans le fond son vrai nom, et Bob Slaughter, The Executioner, ou encore Super Destroyer Mark II. Yes, à ne pas confondre avec le Super Destroyer original, parce que c'est pas le même. Ah non, c'est ça, vraiment pas. Exactement. Et faire carrière à la AWA, dans le fond, et dans certains territoires de la NWA. Et puis, comme la Central State, là, qu'on a déjà parlé dans le passé, ou la Georgia Championship Wrestling, où les fameux Killer Bees ont lutté. Oui, exactement. Yes, d'ailleurs, on vous invite à écouter notre deuxième émission sur les Killer Bees. B. Brian Blair et Jumping Jim Brunzel nous ont gâtés, honnêtement. Un bon 45 minutes de discussion. Pour ceux et celles qui sont capables de... Les fans des années 80 aussi. Oui, exactement. Honnêtement, ça vaut la peine. C'est une belle petite entrevue. Très, très généreuse, là, en fait. Et puis, nous sommes disponibles sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Music et compagnie. Donc, je te laisse aller, mon Ben, avec le reste. Ouais, nous allons parler de son premier passage à la WWF 1980-1981. Yes. C'est dans cette fédération qu'il commence à lutter sous le nom qui a fait de lui une grosse vedette, c'est-à-dire le Sergent Slaughter. En tant que heel, par exemple, il y avait tu te rappelles le Grand Wizard? Le regretté Grand Wizard? Grand Wizard. Yes, c'est un manager, ça. Ouais, 1929-1983. Il en parle d'ailleurs dans le DVD des Greatest Managers. Yes. Il l'avait comme gérant. Et très vite, il s'est fait une réputation au sein de la compagnie grâce à ses fameux Cobra Clutch Challenge. Yes. C'était le même genre que ceux qui seraient les plus jeunes, là, le Chris Masters faisait son Master Lock Challenge. Il assisait la personne. Faisait son Master Lock Ça fait penser pour les plus vieux, il y avait Billy Jack Haynes qui faisait le call. Il y avait eu un combat, là, un Full Nelson Challenge. Oui, avec Hercule. Oui, avec Hercule. Puis son frère, il s'appelle Yavance.
Bon, Hercule avance, ouais. Yes! Donc, faisait asseoir le releveur de défis sur une chaise dans le milieu du ring. Yes. Il appliquait la prise Cobra Clutch et offrait même 5 000 à quiconque parviendrait à se déprendre, mesdames et messieurs. Yes. Et puis, il y a eu une rivalité avec Bob Backlund pour le championnat des poids lourds de la WWF. En 1980, mais sans succès, Slaughter était le seul challenger basé à la WWF à ne pas avoir perdu face à Backlund au Madison Square Garden de New York. Puis Backlund, dans le fond... il avait battu au Meadowlands. Yes, c'est ça. Mais jamais au MSG, le Madison Square Garden. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, sur Rune Salter, dans le fond, par la suite, il y a eu une feud avec le défunt Pat Patterson. Ah oui, grosse feud après ça. C'était vraiment intéressant. En effet, Pat Patterson, il l'interviewait en bas d'un ring quand Black Demon, il l'a choqué, dans le fond, à la dernière minute, avec le Cobra Clutch, avec le Cobra Clutch Challenge. Et puis, s'est fait traiter de Yellow par Slaughter. Et puis, Pat Patterson s'est porté volontaire au challenge du Surgeon Slaughter. Et même qu'il... Si, en cas de réussite, il allait donner même 10 000 mesdames et messieurs. Oui, ouais, c'est intense, là. Et puis, par la suite, dans le fond, lui, on donnait un vilain coup de genou dans le ventre pour le frapper sans arrêt. Parce qu'il était sur le bord de se défendre. Oui, c'est ça, exact. Et puis, lui a donné, c'est ça, un vilain coup. Puis, ça l'a déclenché une grosse rivalité qui aboutit à un alley fight à New York, au Madison Square Garden, une fois de plus. Et puis, entre les deux, entre les deux, remporté par Pat Patterson. Ce match est considéré comme l'un des meilleurs matchs hardcore des années 80. Est-ce que, selon PWI, il y a quelque chose en lien à ça? Ça fait deux fois partie des matchs up. Il faudrait que je recheck comme il faut. Regarder, mais... ça serait intéressant. Mais il y a du sang là-dedans. Ouais. Là. C'est pas. Yes. Il fait ça que ça botte à un moment donné. Ah, ça se peut. Hein. Et puis, il y a eu le passage à la Jim Crockett Promotion qu'on parle souvent dans différents. Ouais, ça l'a viré la WCW plus tard dans les années 80. Au mois de septembre 1981, Slaughter a rejoint la National Wrestling Alliance, luttant surtout dans son territoire fétiche, Jim Crockett Promotions. Yes. C'est à ce moment-là que le champion NWA US de l'époque, Wahoo McDaniel, a dû mettre son titre vacant car il fut blessé par le sanguinaire Abdullah The Butcher, qu'on a fait une émission d'ailleurs récemment, yes, et qu'on vous invite à visionner, commenter, faire des thumbs up. Yes. D'ailleurs, une personne super sympathique là, avec qui j'ai jasé Abdullah quelques minutes au téléphone récemment. Et puis, voilà. Donc, poursuivons avec le mois suivant. Slaughter participe à un tournoi pour déterminer un nouveau champion des États-Unis d'Amérique, de la NWA. Puis, il a battu, dans le fond, Johnny Weaver, Jay Youngblood. Et en grande finale, monsieur, la légende vivante, Ricky the Dragon Steamboat, pour remporter le titre qui était vacant à l'époque. Il conservera ce titre pendant plus de 7 mois. Donc, avant de perdre le titre face à Wahoo McDaniel, le 21 mai 1982, il regagne le titre le 7 juin le 7 juin pour le reperdre pour... de bon, le 22 août 1982 contre le même lutteur, dans le fond, contre Wahoo McDaniel. Exactement. C'est ça. En septembre 1982, Slaughter et son partenaire Don Kernodle ont remporté le NWA World Tag Team Championship aux dépens d'Antonio Inoki et Giant Baba à Tokyo. Deux grosses légendes japonaises, mesdames et messieurs. Yes. Et en tant que champion par équipe, ils sont entrés dans une rivalité passionnée avec l'équipe de Ricky Steamboat et de Jay Youngblood, qui a eu comme résultat, le 12 mars 1983, une victoire de ces derniers dans un match en cage d'acier à Greensboro, en Caroline du Nord. La stipulation était que si Steamboat et Jay Youngblood perdaient cet affrontement, ils ne pouvaient plus jamais être partenaires. Peu de temps après, la feud, Slaughter avait quitté la Jim Crockett Promotion. Ouais, c'est ça. Et puis, bien par la suite, dans le fond... au début de 1984, la carrière de Sergeant Slaughter a pris une toute autre tournure avant qu'il soit viré. Et puis, par la suite,
Il a viré face, dans le fond. Puis il a défendu l'honneur de son pays contre l'un des plus grands heels de l'époque. Tu sais, c'était l'Israélien Iron Sheik. L'Iranien Iron Sheik. Yes, l'Iranien Iron Sheik. Et puis, c'est ça. Dans le fond, ils ont eu une grande, grande rivalité, là, dont un Nose Board qui s'est fait au Madison Square Garden. Exactement. Yes, tu peux continuer, mon ami. Alors, on est où, là, c'est-tu? On est là! Cependant, avec la popularité de Hulk Hogan en tant que champion du monde des poids lourds de la WWF et leader au sein de l'entreprise, Slaughter a quitté la WWF pour l'AWA. Dans le DVD de Vince McMahon, sur Vince McMahon, Slaughter a déclaré qu'il avait été congédié par McMahon à Toronto après avoir fait un no-show, c'est-à-dire de ne pas se présenter à un gala, dans lequel il était booké pour protester contre le refus de McMahon de lui accorder 6 semaines de vacances payées. Yes! Puis tu sais... suite à ça, dans le fond, il y a eu d'autres entretiens avec Slaughter et McMahon qui se sont révélés que Slaughter avait davantage quitté l'entreprise à cause d'une chicane qui avait éclaté en raison du fait que la WWE ne voulait pas que Slaughter ait sa figurine dans les jouets de G.I. Joe. Ouais, c'est ça qu'on parlait au début. Parce que dans le fond, à cette époque-là, tu te souviens, c'était Hasbro qui faisait les figurines de la WWF. Ouais. Et puis, dans le fond, c'était les petites figurines là, qu'on a déjà montrées dans une... figurines de Roddy Piper. Yes. C'est ça, fait que ça doit être une des raisons pourquoi. Puis au moment de son départ, Slaughter était le dernier top face de la fédération qui dépassait largement l'ancien lutteur Jimmy Superfly. En fait de popularité. Et même Andre the Giant, là, qui était pas loin... derrière, avec une popularité qui était en rivalité avec le grand Hulk Hogan. Ben, c'est sûr que quand c'était comme un héros américain, Sergeant Slaughter, au même titre que Hulk Hogan, il y avait le flag des États, puis en tout cas, vous connaissez ceux qui connaissent le Sergeant Slaughter, ils l'ont vu souvent. Yes. Quand il était face, bien entendu, quand il était heel, c'est une autre patente à gosse. Non, c'est ça. Alors, nous sommes rendus au second passage à la AWA. Entre 1985 et 1990. Yes. Slaughter a reçu un énorme push peu de temps après son retour avec la Fédération du Minnesota, devenant le champion des poids lourds de l'AWA Americas, battant Larry Zbysko. Hey, je ne me suis pas trompé, c'est pas plus. Ça, je m'en fâche quand je dis ce nom-là. Le 21 juin 1985. Il a défendu le titre avec succès contre des lutteurs comme Zbysko, Kamala, Boris Zukov et Nick Bockwinkle avant que la ceinture ne soit désactivée le 26 août 1986, et a rivalisé avec Sheik Adnan El-Kassi, général Adnan à la WWF, et son écurie de lutteurs, de Road Warriors, le colonel De Beers. Il a même défié Stan Hansen pour le titre Poilo AWA, mesdames et messieurs. Ça devait torcher de voir du sang là-dedans. Ah, c'est ça. C'est ça. Et puis, dans le fond, on tombe au troisième passage à la WWF de M. Sergeant Slaughter en tant que sympathisant irakien. Donc, au début de l'émission, j'ai mis, je vais remettre ma photo, dans le fond, c'était son personnage ici là, qu'on voit bien de Sergeant Slaughter. Exactement. Qui était, ils ont fait une genre de stables là, en 90, là, c'était l'invasion du Koweït en août 1990. Là, L'anecdote là-dedans, c'est que pas beaucoup de temps après WrestleMania 6, Sergeant Slaughter, là, il a écrit une lettre à Vince McMahon, dans le fond, mentionnant son intérêt de faire un retour avec la Fédération de Stamford. Ouais. McMahon a accepté et a proposé à Slaughter de lui faire un personnage de heel. Okay. L'idée de McMahon, là, c'était que Slaughter là, devienne un anti-américain, comme Iron Sheik, en raison du fait que le soviétique Nikolai Volkov, il soit viré face. Ça rappelle quand la guerre froide est enterrée, là, Il n'y avait plus de raison de jouer Nikolai Volkov, là, c'était un soviétique sympathisant américain. Ben oui, c'est ça. Avec la petite toune de l'armée américaine de l'Alliance là, dans Survivor Series. Là. Ben oui. C'est ça. Sympathisant américain. Car l'URSS et les États-Unis, comme j'ai dit, avaient enterré la guerre froide. Yes. Selon Slaughter, il a eu du mal à faire des promos anti-américaines associées à ce scénario. Ben, c'est ça, tu étais habitué de le voir face par l'envie des États. Ça, oui. Là, il chiait ses États carrément. Fait que là, il a comme complètement viré son cap de bord. Fait que c'est sûr que là, ben en plus, il était avec les gars les plus détestés. Hanan, Ben, Mustapha, c'est un petit peu plus tard. Mustapha, là. Iron Sheik, ouais, toute cette gang-là, tu sais. Puis, tu sais, lors de notre émission avec les Killer Bees, tu te souviens, Jim Brunzel parle, puis il dit que, tu sais, c'était
tellement facile, c'était tellement facile de se faire aimer. Ah oui, parce que, facile, mais... on se souviendra qu'en 1984, je pense que c'est en 87. Ben oui, il affronte la connexion soviéto-iranienne. Les demi-finales sont contre la connexion soviéto-iranienne. Donc, voilà. C'est une petite parenthèse, donc tu peux poursuivre, mon ami Ben. Alors, dans ce temps-là, c'était comme on a dit tantôt, c'était l'invasion du Koweït. L'invasion du Koweït en 90, à août 90, par l'Irak bassiste, a eu un énorme résultat d'une crise politique qui a mené à la fameuse guerre du Golfe de 91, au cours de laquelle le Koweït a été libéré par une coalition militaire dirigée par les Américains. Une décision a été prise pour que le sergent Slaughter soutienne les Irakiens, non pas pour les raisons politiques, mais plus pour le fait que Slaughter aimait la violence et que le gouvernement irakien est un peuple violent, alors que le régime américain était, selon Slaughter, devenu « Momoun ». Ça ressemble un peu à ça. Hein? Puis, par la suite, dans le fond, à la fin de 1990, Slaughter a commencé à être dans les aspirants numéro un pour le titre de la fédération. La guerre du Golfe, ça prenait le champion irakien. Détenu par le défunt Ultimate Warrior à cette époque-là. WrestleMania 6, il avait battu Hogan. Depuis sa victoire contre Hogan à WrestleMania 6, comme tu viens de le mentionner. Et puis, Slaughter, dans le fond, a eu sa chance contre Ultimate Warrior au Royal Rumble de janvier 1991. On se souviendra qu'il y a eu quelques jours après le début de la campagne aérienne de la guerre du Golfe. Il a vaincu, dans le fond, le Warrior lorsque Randy Macho Man Savage, qui était également en conflit avec le Warrior à l'époque, a frappé le champion à la tête avec son sceptre royal que Ted DiBiase lui avait offert en cadeau lors de son couronnement. Ah oui, ça rappelle? Il avait couronné Macho Man, un Golden Scepter. Yes. Il est beau, long de main. C'est un bel artefact de l'histoire de la lutte professionnelle. Mais là, qui était son aspirant numéro 1 à WrestleMania 7? C'était pas... Quand Slaughter était champion, c'était qui a affronté tant si un autre héros américain? Ben oui! Yes! Il a perdu le championnat de la WWF face à Hulk Hogan à WrestleMania 7. Ah oui, c'est vrai. Slaughter a présenté son nouvel allié, le colonel Mustafa des Iron Sheik, l'ancien rival de Slaughter. Yes. Slaughter et ses acolytes se sont disputés avec Hogan pendant des mois, notamment lors d'un match avec handicap à 3 contre... quand il était avec Ultimate Warrior, Hogan, ça me semble 91 au Madison Square Garden. Là. Mm-hmm. La fameuse fois du scandale d'Ultimate Warrior là, qui demandait genre 250 000 piastres, sinon il était pauvre. C'est ça, exact. Il en parle dans The Self-Destruction of Ultimate Warrior. Yes. Et puis, on pourrait parler, mon ami, dans le fond, de la liste de certaines apparitions qu'il a faites. Il avait viré face, ça me manque. Oui, c'est vrai. Il avait fait une promo que. Montre-donc ça un peu. Yes, dans le fond, il avait fait une promo avec après la foudre avec Hulk Hogan. I want my country back. Lors de l'épisode de WWF Superstars, Slaughter est venu sauver Axel Jim Duggan d'une attaque des Nasty Boys. Duggan et Slaughter ont fait équipe pour vaincre les Nasty Boys et ont continué à faire équipe au cours des prochains mois de 91. Yes. Et puis, lors de l'épisode de la WWF Superstar, Slaughter est venu sauver Axel. C'est ça, exactement. Fait que, ensuite de ça, en août 1997, dans l'épisode de Raw is War, il est devenu la commissaire de la WWF en remplaçant Gorilla Monsoon, qui, en réalité, avait pris sa retraite en raison de problèmes de santé. Parce qu'on sait que Gorilla Monsoon, c'est une de ses dernières apparitions à la TV, Gorilla Monsoon, c'était à WrestleMania 15. Là. Ouais. Il était, je pense, juge du combat de Butterbean et de Bargain. Ouais. Tu vois, il est tout amaigri, là, tu ne le reconnais pas. Là, ouais. Comme Earthquake dans ses derniers milles quand il avait le cancer, là, il était full amaigri. Là. Yes. Puis, c'est ça, il est mort en 99. Excusez-moi. Il est mort en 99... Quelque part, soit septembre-octobre, dans ce coin-là. Yes, et donc, puis, étant face, Slaughter est finalement devenu la risée de la Degeneration X. Dans le fond, Shawn Michaels et Triple H ont ri de lui pas mal, surtout d'un épisode de Raw is War. Tu te souviens avec les fameuses... Il parlait, puis il passionnait, puis il y avait les... Il l'appelait Sergent Slobber. C'était comique. Ensuite de ça, il y a eu sa rivalité avec Triple H qui s'est poursuivie à WrestleMania 14. Tu te souviens de l'anecdote? Non. Pour empêcher China d'interférer, parce qu'il spawn contre Warner pour le championnat européen, pour empêcher China d'interférer en faveur de Triple H, s'est menotté avec elle. OK. Puis là, maintenant, elle a garoché genre de la poudre d'en face. Yes. Elle a fait un low blow à One Heart. Triple H a fait le pedigree en 2-3. C'était un bon petit match, franchement. Yes.
Et puis, par la suite, plus tard dans l'année, Slaughter est devenu heel, puis il a rejoint Vince McMahon avec Gerald Briscoe et Pat Patterson pour être, dans le fond, dans la direction... Bon, c'est la Corporation, hein? Oui, c'était la Corporation, avec, c'est ça, et est devenu un des sous-fifres... Ouais, c'est ça, sous-fifres. De McMahon afin de l'aider à mettre des bâtons dans les roues à des rivaux comme Stone Cold Steve Austin, The Rattlesnake. À la fin de 1998, Slaughter a cédé le rôle de commissaire à Shawn Michaels. Ben oui, il est revenu, il faisait un bout qu'on ne l'avait pas vu, il est revenu de sa blessure, mais yes. Il n'était pas en tant que lutteur. C'est ça, en tant que commissioner. Exactement. Et puis en avril 2001, il a fait une apparition à WrestleMania 17 qui s'est déroulée où? Houston Astrodome. Yes. Très bon WrestleMania, un des meilleurs. Dans le fameux gimmick Battle Royale. Ben oui, c'est qui, d'ailleurs, le gimmick Battle Royale, mes amis, on vous invite aussi à écouter notre émission qui va sortir prochainement. Ah oh, oui, bientôt. Sur Duke the Dobster Drozy, une personne super sympathique avec qui on a pu s'entretenir quelques minutes. Et qui fait partie du gimmick Battle Royale. Exactement. Donc, on vous invite à... visionner cette vidéo, elle est intéressante et on apprend plein de belles choses. C'est vraiment cool. Il était vraiment sympathique. En novembre 2003, il perd un match contre Randy Orton à Raw. Puis Orton est devenu comme, à partir de ce moment-là, le fameux Legend Killer. Ouais, il avait vaincu Harley Race et compagnie. Là, des grosses légendes. Il faisait le RKO. Puis lors de Vengeance, Night of Champions, en juin 2007, il affronte en équipe avec Jimmy Superfly Snuka, Dios and Domino, pour le WWE Tag Team Championship. Et perd malheureusement l'affrontement. Ouais. Malheureusement. Ben, c'est les jeunes qui ont battu les vieux. C'est sûr, exact. Mais c'était quand même c'était un bon combat. Ah, je l'ai puis, on se souviendra, je crois que c'était un de ses derniers combats, le 31 décembre 2012, il a défié pour le champion des États-Unis de l'époque, Cesaro, dans un match pour le championnat des États-Unis de la WWE. Cependant, il a perdu le match. Puis, je pense aussi, tu sais, à un moment donné, il y avait une suite de combats où est-ce que... comment il s'appelle déjà? Voyons. Chico Raw Old School, il avait affronté Alberto Del Rio Monday. Oui, oui, oui. À un moment donné, il y avait un Raw, c'était le 4 juillet. Il avait affronté Jack Swagger, bien Jake Hager à la AEW. Oui, oui, oui. Il y en avait un autre, là, Seth quelque chose. Là, pas Seth Rollins. Non, il était roux, là. Il disait tout le temps, moi j'ai des enfants. En tout cas, je me souviens pas de son nom, mais lui, genre... Wen Bang, là, il disait tout le temps, mettons, it's time. Ah, je sais qui tu parles, mais je me souviens pas de son nom. Bout de la langue, mais genre, lui, là. Tu peux le marquer dans les commentaires. Genre, il avait affronté, mettons, Vader. Il avait affronté Mattis. Heath Slater. Heath Slater, c'est ça, excuse. Qui a été le premier champion en équipe de SmackDown avec Rhino. Yes. Puis qui a fait l'équipe avec Rhino à Impact Wrestling récemment. Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que Surgeon Slater avait fait une apparition, là. Une fois. Ça se peut fort bien. C'était fait battre par Animal, par Lita, il s'était fait battre par Vader. Ça, c'était bon à mon avis. Ah oui, c'était vraiment bon. Il y avait dit Slater Time, le tentant à tune de Vader. Ah oui, ça rentrait. Ah, c'était bon. Ah oui, c'était vraiment cool. Animal, The Legend of Doom. Ah oui, il y a son power time. Joe Laurinaitis. Et puis, revenons à Surgeon Slaughter. Donc, il a remporté quelques... Ah, il récompense du plus de bon lui. C'est ça. Donc, est-ce que tu veux y aller, mon ami? Ah, c'est moi qui vous dis ça. Ah oui. Ben, en 1984, mesdames et messieurs, il était le lutteur le plus inspirant de l'année, le most inspirational wrestler of the year, dans le fond. Yes. En 91, avec sa gimmick de M. Irak, c'était le most hated. C'était le plus détesté. En 91. Yes. Mais une récompense que personne n'oubliera jamais quand on honore les plus grands, c'était lors de WrestleMania 20, en l'honneur du WWE Hall of Fame 2004. Il était introduit par son ancien rival, la veille de WrestleMania 20, Pat Patterson. Puis j'ai écouté, tu sais, The Greatest Wrestling Star des 80s. Ouais. Il y a un bout qui parle de Sergeant Slaughter. Puis là, t'entends Pat Patterson qui dit dans son discours, quand il est sorti du ventre de sa mère, il est sorti par le menton. Mais c'est vrai, pareil. C'est... Il semble bien rire de cette merveilleuse blague. Ouais, puis il a dû se faire agacer un petit peu tout le long de sa carrière. On l'appelait le menton, mais crème, ça reste que c'est une grosse légende. Sergeant Slaughter. Ben oui, ben oui. Moi, quand j'étais petit, en tout cas, c'était un heel que j'aimais détester. Yes, comme Ted DiBiase. C'est ça. Donc, c'est ici que se termine notre belle émission. Pas déjà. Ben oui, sur Sergeant Slaughter, un beau 25 minutes pour vous faire plaisir, chers amis.
Wrestle Rockstar, qu'on appelle. En tout cas, une bonne fête des États-Unis. Happy Independence Day, qu'on devrait dire. Yes, happy 4th of July for everyone, for English listeners. So, this is an honor to produce this special edition of about one of our probably one of the biggest legends. Oh yeah, of course. Ever live. So Sergeant Slaughter, and voilà. Donc c'était Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast. J'étais avec mon collègue Benoît. J'en ai pas de tout ça. Ok, Nastradamien, merci mon Ben. Et vous voulez que je prédise quelque chose pour Sergent Slaughter dans le futur? Ben, pourquoi pas? Ben, j'ai prédit de la santé, puis j'ai prédit peut-être, qui sait, peut-être un autre Gimmick Battle Royale ou un dernier match qui pourrait faire quelque part à Raw ou à SmackDown ou dans un pay-per-view quelconque. Yes. Une réunion de légende, là, ça serait pas pire. Ben oui. Quand même, ça serait juste un match de 2 minutes. Juste le fait de voir Sergent Slaughter jouer mon jeu. Une apparition pour WrestleMania 40, ça pourrait être le fun. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, merci beaucoup tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous jaser. Alors, les Wrestle Rock Stars, nous allons nous retrouver bientôt pour un prochain Wrestle Rock Podcast. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got space, man, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N.W.O. The Rock says, sweet baby Jesus in the office.